ça y est, c'est le moment de vérité, de voir si ma stratégie, mon test de copy trading s'avérait fructueux ou être un gros flop. Donc je suis dans un mélange d'excitation, un petit peu de stress, de savoir un petit peu le résultat, parce qu'on va regarder le résultat ensemble de ma stratégie de copy trading. Je te rappelle, j'ai misé 1000$ sur du copy trading, c'est-à-dire que j'ai mis 100$ sur 10 traders et j'ai copié leur trade pendant une semaine. Et on va voir ensemble les résultats. Alors les premiers jours, j'ai fait des screenshots un petit peu des évolutions et on va découvrir ensemble le résultat final, puisque ensuite j'ai pas regardé du tout mon portefeuille. Je te rappelle que c'est une fonctionnalité qui est disponible sur Bybit, t'as un lien en description si tu veux te créer un compte. Il y a certains bonus qui sont toujours intéressants, c'est mieux que rien. Donc on va regarder ensemble. Alors le premier jour de trade, il était, je crois, incroyable. On va regarder ça ensemble. J'ai fait une capture d'écran de tout ce qui s'est passé et tu vois, par exemple, là on a le résultat au bout d'un jour. Donc il n'y a pas eu de grosse évolution. Si, il y a eu la grosse évolution par rapport à ce trade là, 25 schmeck. Je me rappelle pas c'est quoi le nom de son, la fin de son pseudo, mais je te rappelle ici, j'ai mis 100$ sur 10 traders. Donc là on voit que sur le premier jour on a fait un 0,51%, on a gagné 2$. Là ici on a gagné 10%, ici lui il a fait 0 trade, donc on a rien gagné, lui aussi c'est pareil, et ici on a fait un plus 126%, ce qui est quand même énorme sur un trader, et donc on a gagné 149$, et ce qui nous a fait au premier jour, c'était plutôt encourageant, 1192$, sachant qu'on a mis 1000$, donc plus 19%, et là il s'écrit 217 USDT. alors ça correspond pas au total des actifs parce que j'avais mis 1000$, mais je pense que c'est la fameuse marge. À chaque fois qu'on copie un trade, en fait on reverse 10% au trader en question, et je pense qu'en fait ils ont enlevé du PNL les fameux 10%, ce qui nous donnait 1192. Donc on était à plus de 20% la première journée, sachant qu'il y en a qui avaient pas tradé, d'autres qui ont fait un moins 3% ici, et surtout un qui a fait plus 126%, ici on a eu un 7%. Donc ça c'était le premier jour. Regardons ensuite le deuxième jour, et le deuxième jour c'était pas la même chose. On a eu une inversion par rapport à notre trader qui avait fait pratiquement à 100% le premier jour. Donc ici on voit pas trop d'évolution, ici un petit 10%, ici un moins 2, ici un moins 4, et ici notre ami 25 schmeck, on avait fait presque un 100% avec lui le premier jour, là il fait un moins 78% sur la totalité du capital. Donc on a perdu énormément, nos 100$ qui s'étaient transformés à pratiquement 192$ sont passés à 21$. Donc on a quasiment tout notre bénéfice et tout notre capital, on a doublé en un jour et on a quasiment tout perdu en un jour. Donc ça c'est le risque de miser sur un trader, c'est à dire qu'il y a peut-être des personnes qui ont vu que 25 schmeck avait fait un plus 100% en un jour, ils se sont dit tiens je vais m'abonner à nu, je vais faire du copy trading, et derrière ils perdent la totalité de leur capital. Donc c'est important de diversifier. Ici je te rappelle ici que c'est juste une expérience, je teste l'application, je teste la fonctionnalité sur Bybit pour voir un petit peu comment ça fonctionne et quels résultats on peut avoir par rapport au copy trading. Donc ici quelquefois pas trop de gros changements, moins 5% plus 7% en bas. Donc ça c'est pour le deuxième jour. Pour le troisième jour, ici qu'est-ce qu'on a eu comme changement? On a eu Crypto Way qui a fait un plus 13%, on était plutôt positif. Je rappelle qu'ici le Bitcoin était dans une phase haussière et on se demandait s'il allait avoir une correction ou autre. Donc on était, on va dire, dans une période un petit peu complexe, puisqu'en fait on se demandait si le Bitcoin et tous les altcoins, hein, parce que ici en fait les traders tradent également des altcoins. Donc il y a du ADA, il y a du APT, il y a tout, de l'Ether. Bref, on se demandait, à la suite de cette période haussière, on allait connaître un pullback, une correction derrière, puisqu'on a une montée assez violente, pratiquement plus 40% en l'espace de une ou deux semaines. Savoir si on allait avoir une correction ou si on allait continuer à monter vers le haut, ce qui était forcément moins probable parce qu'on avait connu cette fameuse progression assez parabolique de plus 40% en une semaine. Donc je pense que les traders, ils étaient en période un petit peu d'incertitude. Après, bien sûr, ils ont leur algorithme, ils ont leurs indicateurs qui leur sont propres. Mais ici, on a toujours eu 25 schmeck qui a complètement explosé notre capital. Donc on a pratiquement tout perdu. Et d'ailleurs, j'ai reçu des mails de Bybit disant qu'il n'y avait pas assez de fonds pour certains trades pour honorer le copy trading, c'est-à-dire de copier le trade d'un trader. Et donc je pense que c'était à cause de lui, 25 schmeck, parce qu'en fait, mon capital, il a été réduit en cendres à 15$ alors que j'avais mis 100$. Voilà. Les autres, ils étaient plutôt réguliers. Donc après, moi, je préfère, dans un sens, des traders, on va dire, un petit peu réguliers qui vont faire du plus 2%, plus 4% ou plus 13%, et quand même des chiffres assez importants. Mais je préfère des personnes qui fluctuent à des plus 2, moins 2, etc., plutôt que des gens qui font du gamble. Comme 25 schmeck, je pense qu'il a fait du gamble pour faire plus 100% et pour derrière prendre moins 84% par exemple. Donc ça, c'était pour le troisième jour. Et donc, on avait, troisième jour, un capital de 934. Donc là, on était en perte. On était en perte par rapport à notre capital de départ de 1000$. Donc ça, c'était le troisième jour. Regarde
pardon, ensuite le quatrième jour. Alors là, j'ai légèrement switché de stratégie. C'est-à-dire que le quatrième jour, 25 Schmidt qui nous a quasiment tout explosé, il me restait plus que 6$. Et ben, j'ai décidé de le remplacer, donc de réinjecter 100$, donc avec un capital total de 1100$. Parce que je me suis dit, bon, lui, il est perdu. Je recevais des notifications de Bybit comme quoi j'avais pas assez de fonds pour copier les trades de ce trader-là. Tu mettras en commentaire qu'est-ce que tu en penses de sa stratégie d'avoir autant de fluctuations, plus 100%, moins 100% en l'espace de 24-48 heures, qui est assez aberrant. Bref, j'ai décidé de prendre un autre trader. Là, tu vois, là, c'était le total des actifs au bout de la quatrième journée, 879$, sachant que j'avais investi 1000$, donc à peu près 120$ de perte. Et j'ai décidé de faire confiance à un autre trader, de rajouter quelqu'un dans la boucle pour continuer un petit peu le challenge, sachant que l'autre, il était complètement explosé et j'avais plus de capital à investir. Donc, je me dis, je vais mettre un nouveau player. Donc, j'ai mis lui qui avait des statistiques plutôt intéressantes, qui avait des places de dispo, Kenzo. Et d'ailleurs, depuis, bah, je connais pas le résultat, donc on va aller voir ensemble si ce pari sur Kenzo a été prolifique ou pas. Donc ça, c'était mon changement de stratégie. J'ai rajouté 100$ pour avoir un capital total de 1100$. Alors justement, suspense, n'oublie pas de lâcher un like, surtout t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Ici, je te rappelle, on parle finance, investissement, on parle crypto-monnaie. De temps en temps, je fais des tests comme ça sur certaines fonctionnalités. Je t'explique comment ça marche, comment ça se met en place. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Je te fais un petit bilan. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos-là, n'hésite pas à liker. Alors, pour ce faire, je vais dans Bybit, copy trading, et là, on va voir et quel résultat on a. Alors, on voit qu'il y a mon fameux Kenzo qui est toujours numéro 3, et les numéros 1 et 2, bah, ils ont changé. Avant, c'était d'autres traders. Et avant de vous voir le résultat final, regardons un petit peu les différents trades et savoir si c'était positif. On va voir la grande surprise après, mais ici, Kenzo, je pensais avoir investi 100$, mais on dirait qu'il y a que 80$. Du coup, on a eu un plus 20$, donc mon pari, on va dire qu'il était plutôt positif, sachant qu'il est arrivé en cours de route. Donc, j'ai laissé tourner, hein, je te rappelle, une semaine les trades, et ça fait 3 jours que j'ai pas du tout regardé les résultats ici. On a CryptoWave qui a fait un plus 5%. On va dire c'est dans le positif, donc c'est très honorable. Wave, on a gagné 17$. Ici, bah, c'est la grosse surprise, Enzo, sur lequel on a investi 100$, bah, il nous a complètement explosé notre capital puisqu'il reste plus rien. Il nous a poché. Ici, on a tous les trades qu'il a fait. Ils ont tous été liquidés. Des shorts x10 sur l'APT. C'est marrant parce que au début, on dirait que tout est positif. Il a fait énormément de trades. Tout est positif, tout est dans le vert. Et puis là, quand je regarde la page numéro 1, tout est négatif. Il a commencé fort et puis derrière, il a complètement déglingué notre capital. Donc ici, de 100$, on est arrivé à 89 centimes. Et quand on regarde les autres, on a Prime qui a fait plus 16%. Donc on a gagné 16$. Ici, on a gagné 1$. Le fameux CEO, CEO Musk, 6$. Ici, on a gagné 1$. Et là, j'ai combien de traders? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, je comprends pas où est le 25 Smash. On dirait qu'ils l'ont complètement retiré de ma liste. Alors peut-être qu'il a clôturé son compte, je sais pas. Avant, je me suis demandé si c'était pas 25 Smash qui avait changé de pseudo ici. Quand on regarde le résultat ici, donc moi, je te rappelle que j'ai investi 1080 ou 1100$ ici. Et maintenant, il me reste 917$. Donc, j'ai perdu 160$ en essayant le copy trading. Et tout ça à cause de un ou deux traders qui m'ont complètement liquidé. Donc, Enzo Ferrari et 25 Smash qui a complètement bousillé mon capital. C'est les deux. Et les autres, ils étaient plutôt positifs ici. Parcheesi, moins 10% sur la semaine. Coin Market, 99% qui m'a fait faire de 20$. Mais les autres étaient plutôt réguliers. Mon bilan, c'est que l'expérience était quand même enrichissante. Je m'attends à possiblement perdre beaucoup plus. Forcément, quand on investit là-dedans, il faut être prêt à perdre. Et je pense que avec les une semaine de recul, vaut mieux investir sur des personnes qui ont des investissements et des trades plutôt sages avec des petites performances plutôt que miser sur ici des traders qui ont des performances. Et des fois, c'est sur du court terme, donc ça peut un petit peu tronquer les chiffres ici. On voit des plus 20, plus 17%. On est peut-être tenté de choisir ces traders-là. Mais finalement, c'est peut-être ceux qui prennent le plus de risques et sur lesquels, en fait, on peut perdre énormément alors que investir sur des personnes qui font des 2%. Ici, ça vaut peut-être plus le coup, c'est peut-être moins risqué. Alors, c'est peut-être, il y a peut-être moins de performance, mais il y a aussi moins de risque. Donc ici, tu vois que mon résultat est à perte. Ici, 916$. Je pense que juste en faisant buy and hold, c'est-à-dire en achetant des cryptos et en ayant revendu par la suite, j'aurais peut-être plus gagné que utiliser le copy trading ici. Mais en tout cas, c'était une expérience qui était enrichissante. J'ai pas forcément poussé jusqu'au bout. Je pense que le copy trading a vraiment analysé chaque trader, etc. Parce que c'était pas forcément le but de la vidéo. Je me suis mis à la place une personne lambda qui cherchait à faire du copy trading et avoir de la performance. Mais voilà, c'était une expérience enrichissante. Je sais pas ce que t'en penses. Lâche-moi un like si ça t'a intéressé. Moi, je trouve ça intéressant. J'aime bien tester ce genre de fonctionnalité. Donc voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner et déclencher la
la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je te renvoie vers la première vidéo si tu n'as pas déjà vu la partie 1 qui t'explique comment mettre en place, comment j'ai choisi, quel montant j'ai investi. Je te rappelle que j'ai une newsletter, on est de plus en plus nombreux dessus, donc je te mets le lien en description juste en bas. Si tu veux t'inscrire, tu as également tous mes réseaux sociaux, les bonus au niveau des plateformes. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao.